Comme je disais tout à l'heure, il y a un avantage par contre. Le don, c'est une âme qui ne loupe jamais sa cible. Le don, c'est une âme qui ne loupe jamais sa cible. Bon. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je suis aujourd'hui avec un grand frère que je respecte beaucoup et que je suis plutôt aussi, tu as déjà eu à rencontrer sur la toile. Je vais poser quelques deux, trois petites questions et il faut qu'il nous aide. Il nous éclaircit ça. Parce que depuis qu'elle parle, si papa, il y a des questions qui font comme si ils ne comprennent pas. Je suis avec Valère Benat à l'occasion de la séance de dédicace de série Niamen. La sortie de son livre Né pour échouer. Ok, Valère, qu'est-ce qui, selon toi, quelle est l'importance de toute personne qui souhaite lire ce livre-là, Né pour échouer? Mais j'ai même pas dit que ce n'est pas seulement ce livre, en fait. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Tous les bons qu'on a encore, les gens ne rendent pas le passé. Et ils ont écrit dans les livres, les gens ne lisent pas. Même les cours qu'on lit au quotidien, c'est l'expérience de quelqu'un qui a mis dans la livre dans l'école. C'est la même chose. Le succès n'est des entreprises. Donc, si tu veux réussir dans un domaine, tu cherches ce que tu as réussi. Tu apprends à réussir. Et si tu appliques les mêmes stratégies comme il applique, pendant suffisamment de temps, parce qu'il y a un certain nombre de temps, tu auras les résultats. Parce que le succès, c'est totalement la même chose. Tu fais seulement ce qui a du succès pour. Et que tu le veux, pour le moment, tu vas te rendre compte que, ah, donc s'il y a un point métier au point, il n'y a pas de manière. Je peux le dire aujourd'hui de manière beaucoup plus convaincante parce que je vois l'implication. Je vous dis, aujourd'hui, le livre est chez Niamen, c'est l'autobiographie d'un auteur dans le monde africain qui a fait ses preuves. Donc il ne va pas raconter l'histoire des vêtements, c'est du vécu. C'est du vécu et ça a tout son sens. Il connaît la réalité. Voilà pourquoi un entrepreneur africain, je pense que la chaîne de lui, il sera forcément disponible. Ok, quand tu parles comme ça, moi, quand je me lançais par exemple la vie, j'ai eu ce décide de partir, tout de commencer à tes débuts. Ouais. Les premiers du pichamot, je pense que c'est ça. Ouais, c'est oui, bien. Oui. Non, quand tu mangeais le. Ah ouais, regarde, c'est. Et je me rends compte que dans le parcours, il y a probablement des moments où tu te dis, est-ce que j'ai même pris la boule? Oui, forcément. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est. Est-ce que ça a du sens? Bon, quand tu arrives, quand tu atteins ce niveau-là, comment tu fais pour les dépasser? Pourquoi? Je peux te demander pourquoi c'est tellement. Avant de chercher le comment, il faut d'abord chercher le pourquoi. Parce qu'il y a tellement de fois où quand tu démarres, s'il n'y a personne, personne n'a ton temps. Et puis même si tu as ton temps, personne n'est proche là pour te casser. Et si tu donnes beaucoup d'efforts, tu fais du contenu, tu fais une semaine pour voir une vidéo, tu dis ça là, c'est le dernier niveau. Après ça, il pèse. Mais là, tu as mis la vérité, c'est normal. Mais quand tu te rappelles pourquoi est-ce que tu as commencé à faire la question de l'État. Donc, c'est le pourquoi. Ok, ajoutez à ce pourquoi-là, comment? Parce qu'on entend très souvent, tu dis même, tu dis, il y a même un petit peu à voir un mentor. Oui. Et comment faire donc un mentor et assez vite à plus ou bien un mentor déjà? Parce que c'est une problématique que je rencontre au quotidien personnellement et que j'ai beaucoup de gens autour de moi rencontrent aussi ce problème-là. Comment trouver réellement un mentor? D'abord, il faut comprendre qu'il faut être là où les choses se passent. Il faut être là où les choses se passent. Donc, lorsque tu vas notamment des conférences comme celle-ci, à compte de Kota, il y a des gens qui nous demandent à l'intérieur. Il y a des gens qu'on peut suivre à l'intérieur, qui sont à des kilomètres, on peut les suivre. Et maintenant, suivre quelqu'un en ligne, lire ses livres, c'est la même chose. Maintenant, entrer en contact avec la personne, c'est une autre chose. Mais les réseaux sociaux ont permis quelque chose de magnifique. C'est que lorsque tu commences à produire des types de contenu, tu commences à attirer les bonnes grâces de ce type de personnes-là. Qu'est-ce qu'il a fait avec vous, elle, ici? Ce que j'ai fait avec Chéri, en fait. Ce que j'ai fait avec Chéri, en fait. Comme je disais tout à l'heure, les gens ne s'en rendent pas compte. Le don, c'est une âme qui ne loupe jamais sa cible. Le don, c'est une âme qui ne loupe jamais sa cible. Et ce qui est puissant dans le temps, c'est que tu n'as pas besoin de quelque chose d'énorme. C'est à ce moment-là que tu fais le geste. C'est à ce moment-là que le geste compte. Donc si tu as quelqu'un qui t'explique, tu as besoin de ton cherche à être petit. Oui, cherche à être petit parce que tous ont forcément, ils veulent progresser. Ça veut dire que forcément, il y a des compétences, des services dont ils n'ont pris, ils n'ont pas. Mais si toi, tu viens comme vous l'avez dit, c'est le problème. Mais tu rentres dans ce contrat. Et des fois, il faut juste une photo.
Parce que les portes, c'est les portes qui arrivent ouvertes, je vais ouvrir pour moi, juste à partir du fond, on m'avait manipulé X ou Y. Ok, quand tu parles de photos et de numéros de téléphone, ouais. ça me fait penser à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un bac plus. Comment donc tu fais pour pouvoir capitaliser ou bien pour pouvoir entrer en contact, avoir des bons numéros? Quelle est la relation qui existe entre le don et le bon numéro? Comment tu fais pour associer ces deux choses pour pouvoir extraire vraiment le jus qui a dansé? Deux, il faut savoir une chose qui est difficile, c'est fondamental, il faut aller les choses avant. Il y a des numéros de téléphone qui ne servent à rien pour le moment. Parce que tu n'as rien depuis que tu peux le vendre. Tu vois, tout à l'heure, il y avait un ministre. Mais moi, il a le vendre. C'est bien. Je ne suis pas allé le vendre. Du moins, je ne suis pas allé le vendre. Mais le jour que je l'ai prêt, et c'est que lui, il y a des choses qui peuvent le vendre. Je vais chercher à rentrer en contact avec lui. Et là, je vais d'abord lui donner. Tu mets d'abord une enquête sur la personne. C'est pas au hasard. Tu mets une enquête sur la personne. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il y a un truc qui est puissant. Au fil du monde. La montre, c'est très puissant. Quand tu offres une montre à quelqu'un, tu le mets en prison. Parce que chaque fois qu'il va mettre d'abord, c'est à toi aussi. Tu penses que tu as quelqu'un qui est mis quelque chose dans ta poche. Il dit qu'il attaque. C'est quand tu demandes un service. Mais dès que tu demandes un service, il dit non. Il a dit que j'attendais même pas de me demander ça, il en fait. Donc, mais quand on donne, il y a une manière de donner. C'est pas que tu viens, tu donnes, tu demandes. Donc, tu parles. C'est comme ça, il va courir, il faut être patient. Ok, ça y est, j'ai dit d'avoir déjà ici. Je vois que je me suis déplacé de toi là, mais parce qu'il savait que c'est ici que c'est passé. Mais il fait la comme tu es normal, j'ai dit. Moi, je suis des banques avec un peu de plus d'argent. Voilà, avec des 6 000 km, donc voilà. Ok, tout ce que moi, je veux te dire, c'est demande déjà, rendez-vous demain pour la conférence de demain, et après ça, on va se dire, tu vois, à la prochaine. Donc, merci, et j'espère que tu as appris quelque chose de cette vidéo. Si c'est le cas, laisse un commentaire et partage pour aider plus jeunes personnes. Si c'est dit, on t'a mis là. Allez, à ça.